Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'Horripilk d'Airsoft. Aujourd'hui, je vous présente un grand classique, un M16A3, mais, petite particularité, c'est un GBBR et il est de chez Golden Eagle. L'emballage est une simple boîte en carton dotée d'une poignée. À l'intérieur, on retrouve la réplique et son chargeur, accompagné d'une tigette de débourrage, d'un capuchon orange, de billes de mauvaise qualité, d'un document explicatif sur l'utilisation des répliques GBBR, ainsi qu'un petit manuel incluant un éclaté technique de la réplique et un étrange QR code qui mène vers une page concernant des produits de la marque APS. Donc je ne sais pas pourquoi ce que ça fout là. Je ne vais pas vous faire tout l'historique du M16, nous connaissons tous. Je vais juste vous parler un petit peu de la marque, de cette réplique, Golden Eagle, que vous connaissez certainement pour les plus anciens, plus sous le nom de Jingong. En fait, Golden Eagle, Jingong ou encore ASP, c'est exactement la même marque. En fait, c'est différentes marques qui appartiennent au même groupe. Donc, ces marques-là, et cette marque Golden Eagle, c'est une marque qui fait de la réplique d'entrée de gamme, de la réplique dite cheap. Ce M16, il coûte environ 120 €, prix affiché chez Airsoft Entrepôt notamment. Il vient tel quel, sans optique. L'optique, c'est moi qui l'ai ajouté, c'est une optique de dotation M16. Et donc, voyons ce qu'on a pour ce prix, en termes d'externe et d'interne. Voyons ce que ça vaut. Pour pouvoir proposer une réplique à 120 €, il faut faire des coupes budgétaires. Et premièrement, ces coupes, on va les retrouver dans les matériaux. On va retrouver, comme sur toutes les répliques de M16, des garnitures en plastique. Ça ne change pas, c'est réaliste. On va retrouver un polymère plutôt qualitatif sur la poignée et le garde-main. En revanche, on va retrouver un plastique un peu plus cheap au niveau de la crosse. Tant en termes de texture que d'aspect. Mais là où la coupe budgétaire se fait ressentir, c'est sur le corps entièrement en plastique. Un plastique assez qualitatif, toutefois un petit peu mou, mais qui ne semble pas fragile. On va retrouver également du plastique sur le carry handle, qui est lui aussi fait de plastique, excepté la visserie. Et on va retrouver également, pour faire des économies, notre bon vieux alliage aluminium-zinc préféré, le Zamac. On va en retrouver quasiment partout sur cette réplique, à part pour la visserie ainsi que pour le dust cover et les goupilles. Tout le reste, toutes les autres parties métalliques sont en Zamac. Je reviendrai sur l'intérieur après. Cela dit, on a une finition quand même plutôt propre. Il faut reconnaître que c'est plutôt propre. C'est plutôt correct. Quand on regarde, par exemple, d'autres répliques dans ces prix-là, en termes de GBBR, je pense notamment aux Acarwell. Vous allez me dire, Nakia, c'est forcément un peu plus rustique sur la finition et tout, mais il y a quand même des signes qui ne trompent pas, avec des retours sur les rivets qui se barrent et tout. Là, c'est pas le cas, on a quand même quelque chose d'assez sérieux en termes de construction. Il n'y a pas de jeu, enfin, sauf un jeu entre le upper et le lower. Mais ça, c'est une caractéristique typique des AR-15. On ne peut pas y couper, ou du moins pas très souvent. Mais en dehors de ça, vraiment, c'est plutôt bien construit, je trouve. De ce côté-là, sur l'externe, le rapport qualité-prix me semble bon. Maintenant, il faut que nous parlions du chargeur. Le chargeur, c'est un des points négatifs qui revient souvent sur les avis concernant cette réplique. Je l'ai remarqué. Ce qu'on reproche à ce chargeur, c'est d'être fabriqué un peu à l'arrache, dans le sens où beaucoup ont retrouvé à l'intérieur des résidus de peinture, des copeaux. Là-dessus, vous ajoutez des joints, semble-t-il, de mauvaise qualité, qui font que les chargeurs arrivent souvent avec des fuites et des problèmes de fonctionnement au niveau des valves. Alors moi, j'ai eu de la chance. Visiblement, mon chargeur a été vérifié par Airsoft Entrepôt et du coup, j'ai un chargeur sain. Mais voilà, il faut se méfier.
quand vous achetez cette réplique, c'est bien sûr de vérifier le chargeur. Prévoyez éventuellement dans votre budget d'acheter un kit de joint. Ça peut être utile. Au niveau de l'insertion, le chargeur doit être bien poussé. Il y a du frottement. Et pour le retirer, il ne tombe pas tout seul, il faut le tirer. Mais cela dit, ça a l'avantage qu'il y ait quasiment aucun jeu dans le chargeur, ce qui est une bonne chose. Et au moins, vous êtes sûr de ne pas le perdre. Il me semble important aussi de vous parler d'un point. Une petite recommandation de ma part, quand vous recevez cette réplique, la première chose que vous devez faire, c'est l'ouvrir et nettoyer un bon coup le canon, parce que ça arrive extrêmement gras, c'est bardé d'huile et de graisse. Donc, mon conseil, dès réception, vous démontez, vous nettoyez bien comme il faut culasse, canon. Vous remettez de la graisse saine dessus, sur la culasse, de la petite graisse siliconée, ça fait toujours plaisir. Et ça permet de bien fonctionner. Moi, j'utilise de la graisse siliconée d'Archerie parce que j'en avais sous la main. Mais tant qu'à faire, j'essaierai d'en trouver de la moins chère. Mais surtout, bien nettoyer le canon parce que le canon, les joints sont bardés d'huile et du coup, ça pourrait poser des problèmes, ne serait-ce qu'au niveau des performances. Autre point que j'aimerais mentionner, c'est au niveau du fait que ce soit un GBBR, on va retrouver pas mal de choses fonctionnelles dont le forward assist knob. Je vous conseille même si c'est fonctionnel, de ne jamais utiliser ça. Si votre culasse se bloque, c'est qu'il y a un problème. Il vaut mieux ouvrir et vérifier que de forcer la fermeture de la culasse. La seule chose que vous allez réussir à obtenir, surtout sur une réplique d'entrée de gamme comme ça, c'est de casser quelque chose. Alors, ça c'est très bien, c'est fonctionnel, c'est très réaliste, c'est très sympa de l'avoir, mais ne l'utilisez pas. Bien maintenant, je vous invite à passer aux essais de tir. Au niveau des mesures chronies, je n'ai pas pu vous en faire, j'ai des petits soucis avec mon chronie en ce moment. Sachez toutefois que la plupart des mesures reportées tournent autour des 370 FPS. Donc, soit vous jouez sur des terrains qui tolèrent ces puissances, soit vous devrez vous adapter avec des dispositifs de régulation de flux ou des dispositifs réglables type NPAS. Pour les essais, je vais me faire tirer dessus à 40 et 45 mètres. Chaque fois que je serai touché, je lèverai la main. Distance 30 mètres. Le démontage, très simple, hein, comme d'habitude sur un AR-15, on fait sauter la goupille arrière, on bascule et on peut retirer toute la partie culasse. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle vient directement avec le levier d'armement, qui n'est pas solidaire. Sur les vrais AR-15, vous avez des petits ergots et en fait le levier d'armement reste bloqué dans la partie supérieure du hupper. Là, il est libre en fait. Bon, j'imagine que ça ne pose pas de problème en airsoft. Voici donc la culasse.
avec son nozzle en plastique, avec une buse de nozzle ici en laiton. On a une finition assez sympathique sur cette culasse, assez propre. On a même un genre de percuteur qui est modélisé à l'arrière, c'est sympa. Bon, on a peut-être finition un petit peu grossière, notamment ici sur la partie qui est censée être reliée à l'empreinte gaz. Bon, ça reste de la réplique d'entrée de gamme, on va pas trop se plaindre. Niveau mécanisme, on est sur un standard Western Arms. Donc ça va être compatible avec toutes les pièces pour R15 Western Arms ou GEP. Hein, vous savez, les fameux wok de chez GEP. Donc c'est complètement standard à 100%. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, vous voyez, j'aurais dû retirer le chargeur avant de démonter la réplique. C'est une erreur. Toujours enlever le chargeur d'abord. Donc les possibilités de custom, elles vont être intéressantes. Hein. C'est pas la pièce détachée qui va manquer. On va pouvoir trouver assez facilement, même si à moins que pour WE, où le marché est vraiment inondé de pièces détachées, surtout des pièces d'usine qui sont très facilement trouvables. Là, trouver des pièces d'usine pour ça, ce sera beaucoup, beaucoup plus difficile. Bon, cela dit, comme c'est d'entrée de gamme, on va pas vraiment chercher à remettre des pièces d'usine dedans, on va surtout chercher à mettre de la pièce plus solide, plus haut de gamme. Au niveau du mécanisme interne, donc, on se retrouve donc sur du standard Western Arms, comme je le disais, avec pas mal d'alliage. Hein, c'est surtout de l'alliage avec sur le marteau de punition, tu peux grossière, mais bon, voilà, c'est une grosse pièce. Elle n'a pas vraiment d'intérêt à être hyper bien finie. Toutefois, ils ont eu le bon goût de mettre un arrêtoir en acier. C'est ce qui manquait sur les anciennes versions, notamment ces pièces qui avaient tendance à casser. Là, ils ont compris le truc et ils en ont mis un en acier plus solide. Et ça ne fait que rendre la réplique meilleure. Hein, de toute façon, toute pièce en acier est bonne à prendre. Au niveau du réglage du hop-up, je vais vous montrer ça. Déjà, je vais refermer la réplique. Non, il faut que je remette ça d'abord. Voilà. Alors c'est bien gras parce que j'ai mis de la graisse siliconée dessus. Alors le hop-up c'est intéressant parce que ceux qui ont des répliques R15 de chez WE en GBBR savent à quel point le réglage du hop-up, c'est l'enfer. Le réglage du hop-up sur un R15W, c'est un peu comme un toucher rectal avec un cactus, en fait. Donc là, c'est vraiment un soulagement et une bonne surprise d'avoir un réglage hop-up à la Western Arms. C'est-à-dire que vous virez le garde-main inférieur et vous avez ici une molette. Donc vous sens horaire pour desserrer le hop-up et anti-horaire pour le serrer, il me semble. Voilà, donc c'est vraiment un gros changement par rapport à un R15WE. Bon, l'R15SC que j'ai également, ça se relie également en passant par la chambre, mais c'est une espèce de grosse clé qui est beaucoup plus facile à positionner. C'est quand même beaucoup moins pénible que chez WE. Là, le problème qui va se poser, c'est si jamais vous voulez monter un garde-main type. Comment? Un garde-main flottant, genre un garde-main qui motte, tout ça, flottant qui soit fixé directement là, et que vous ne pouvez pas retirer sans démonter tout le front set. Là, ça devient un peu pénible, mais quand vous restez dans ce genre de configuration simple, c'est assez sympa. Visiblement, je ne peux pas faire fonctionner la détente
à sec. Mais pour le peu que j'ai tiré avec, et pour les essais de tir que j'ai fait également, la détente est très correcte. Ça reste une détente de GBBR, donc c'est quand même beaucoup plus agréable qu'une détente d'AEG. Donc voilà pour la mécanique. On passe maintenant à la Il est suite. temps de conclure sur cette réplique. Alors, est-ce que le rapport qualité-prix tient ses promesses? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, ça vaut le coup. Est-ce que c'est une réplique faite pour tout le monde et faite pour tous les débutants en GBBR? Clairement, non. On a vu qu'on avait, pour ce prix-là, une base très correcte en termes de finition, avec des matériaux, certes de seconde classe, mais de qualité correcte. Pour ce qui est de l'interne, on retrouve un interne donc au standard, relativement propre, mais avec encore trop d'alliages qui risquent de causer des usures prématurées et des pièces légèrement grossièrement finies. Voilà, le problème surtout, ça va être de surveiller cet interne en alliage, de voir comment ça vieillit. Et de voir à quelle vitesse il va falloir remplacer chaque pièce, ou si vous préférez tout remplacer d'un coup, si vous préférez tellement customiser la bête qu'à la fin il n'en restera que les garnitures et le canon externe, c'est à vous de voir. Pour se lancer dans le GBBR, ça peut être un choix très formateur, puisque ça va vous obliger à mettre les mains dedans assez rapidement, surtout si vous êtes un joueur régulier. Moi, en tant que collectionneur, je pense que j'aurais pas à y toucher avant un petit moment quand même. Je pense qu'elle tiendra parce que je vais pas tirer souvent avec. Par contre, un joueur régulier qui joue tous les week-ends, il va être obligé de mettre assez rapidement les mains dedans et ça peut être très formateur pour un amateur de GBBR, surtout si vous aimez ce genre de mécanique. Hein, généralement, les gens qui aiment le GBBR aiment le réalisme que ça apporte, mais aussi le fait que ce soit un peu de l'armurerie de loisir. Mais si vous ne voulez pas vous embêter avec des surveillances d'usure, des recherches de pièces détachées qui sont quand même un petit peu plus difficiles à trouver que pour du WE qui est vraiment inonde le marché en termes de catalogue de pièces détachées. Bon, on reste quand même sur du Western Arms. En termes de base, ça reste quand même très répandu, mais un peu plus difficile à trouver et surtout parfois, même souvent, un peu plus cher. Donc voilà, c'est à vous de voir. Après, si vous ne voulez pas vous embêter avec tout ça, il vaut mieux partir sur une base un peu plus coûteuse, comme ce superbe AR-15 de chez KSC, avec un interne relativement robuste, puisqu'on a pas mal de métal ferreux, probablement de l'acier. Donc c'est déjà quelque chose d'un peu plus intéressant. Et cette réplique-là ne coûte que 256 euros chez Rainbow 8. Bon, en ce moment, il n'y en a plus, mais cette réplique-là coûte 120, donc c'est pas, il n'y a pas une énorme différence, et pourtant là-dedans, vous avez du full métal, vous avez pas mal d'acier à l'intérieur, donc ça peut plus valoir le coup pour quelque chose que vous n'aurez pas besoin de toucher avant un moment par rapport à celui-ci. Cela dit, le rapport qualité-prix pour moi, il est très bien. Voilà, si vous voulez vous lancer dans le GBBR, si vous voulez un deuxième GBBR, que vous avez déjà une grosse réplique GBBR bien chère qui est très performante, et que vous voulez un petit à côté pour faire des expériences de custom, pour varier un petit peu sans non plus relâcher toute la somme que vous avez lâchée dans votre AR-15 Marui full custom, ça peut être une très bonne alternative. Voilà. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, il y a les commentaires. Si vous avez des commentaires, il y a les commentaires. Si vous avez quelque chose à dire, il y a les commentaires. Sinon, moi je vous dis à la prochaine et puis salut!